Salut tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve dans une création qui a été créée pour moi. Et on remercie Romanasio, là c'est bon je me trompe plus. Thanks Romanasio if you see this video, thanks you. Voilà, je suis anglais, je suis bilingue. Donc merci à Romanasio pour cette création. Alors tout simplement, aujourd'hui nous sommes dans une course inédite, un parcours inédit que je vous mettrai en description. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. C'est un parcours qui traverse toute la map de GTA 5. On avait fait une course la dernière fois, donc maintenant c'est un parcours. Je lui ai demandé de me faire un parcours en fait, la salle qui traverse la map, sachant que tu vois, donc déjà ça commence à l'aéroport. Je lui ai dit que ça commence, bah, je lui ai dit que j'aimerais bien que ça commence à l'aéroport. Ah bah j'ai eu trop d'élan. Et bah voilà. Tu vois la salle, tu vois comment je suis là. Et nous sommes en jet ski. Ah ouais, recommence où? Ah mais c'est parce que moi j'ai la Emerus Custom la salle, c'est pour ça je crois. Non moi aussi, bah moi aussi hein. Écoute, j'ai eu trop d'élan. Et du coup, parcours qui traverse toute la map, je voulais dire, voilà. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique au Babel. Et donc, on va voir plusieurs véhicules. C'est une couille. Et du coup, la salle, la question que j'ai à poser, et que j'ai à poser, enfin, que ce soit toi ou tout le monde actuellement qui regarde cette course, c'est quoi, et c'est quoi dans les commentaires aussi, ton endroit préféré dans GTA V, le plus bel endroit de GTA V, tu penses c'est quel endroit? La plage. La plage là, sur la droite. C'est là, si tu devais choisir un endroit dans GTA V, tu dirais la plage c'est le plus bel endroit. Ouais, la plage, bah là où on a l'habitude de commencer nos jeux, tu sais. Juste à ma droite là. Ouais. Ouais, j'ai vraiment savoir dans les commentaires c'est quoi votre plus bel endroit. Moi c'est pas la plage, c'est Wynwood, la vue qu'on a de Wynwood. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, mon Chiliad. Enfin, moi, quand je dis Wynwood, bah, ouais, bon, je vais dire un endroit parce que j'ai demandé qu'un endroit. Mais si je devais choisir un endroit, c'est que tu vois, Wynwood, les montagnes, t'as une vue quand même magnifique. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un bel endroit. Et surtout, des fois, tu sais, des fois, on dirait pas, mais genre, quand c'est le coucher de soleil et trucs comme ça, des fois, c'est magnifique. Ou même, des fois, tu sais. Tu sais, il n'y a pas tout le temps genre extra sunny, genre pour ceux qui savent pas ce que c'est extra sunny, c'est le beau temps tout le temps. Genre plein soleil et tout, mais des fois tu sais, t'as des autres trucs, tu vois. Et des fois justement, quand t'as des autres trucs, voilà, et bah en même temps que t'as le coucher de soleil et tout, c'est magnifique. Donc c'est bon, c'est pas mal. Ouais, en fait, il y a plein de choses qui sont magnifiques, mais il faut prendre le temps de les apprécier. Voilà, parce que tu sais, des fois par exemple, je vois des photos que Rockstar et tout, IRT et tout sur Twitter et tout, c'est magnifique. Ah, on est en avion, du coup. Et en quel avion nous sommes, la salle? En quel avion nous sommes? En quel avion nous sommes? En Vestra. Oh là là. Ah, il a changé d'avion, je crois. C'est quoi comme avion? C'est lequel, celui-là? Tu te souviens de celui-là, la salle? C'est quel nom? Vestra, je crois. Tu fous ma gueule. Bah non. C'est le Vestra. Il est magnifique. C'est un petit avion de ligne, quoi, un petit jet privé, quoi. En tout cas, pour l'instant, on a commencé du coup à l'aéroport et là on est en ville. Mais en fait, on va traverser toute la map encore une fois. C'est magnifique. Je kiffe. Et ça s'appelle Unwin Mega Tour. Donc créé par Romanciano. Où est-ce que t'es, toi? T'es juste devant moi, en fait. Moi, je suis sur le parcours avec la Z380. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, je sais pas, je te dis juste où je suis, quoi. Oula, par contre. Tu vas monter, mon petit. Oh, faut que je mette bien droit. Voilà, c'est... Ah ouais, c'est stylé. Ouah, par contre. What the fuck, c'est trop fin, ça. Ah ouais, là. C'est vrai, faut être précis un peu. Faut être précis. Mais toi, quand tu montes avec la moto 30, ça part pas en freestyle? Non. Bah si, mais faut être précis, quoi. Ah ok. Je mets des petits à-coups, en fait, Ok, effectivement, la salle, on est bien en Z300. Et du coup, la Z300 qui a des véhicules les plus... 380. Beaux. Ouais, 380. Comme l'Airbus. Ok. Oh non. Ça, j'ai horreur de ça, les trucs comme ça. C'est même ZR 380. Ouais, ZR. Mais du coup... Oula.
Ok, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça tracasse. Wouh, j'ai passé. Ok. Ok, ça passe, c'est magnifique, c'est un paio, c'est magnifique, va bene. Se possiamo. Chiare. Chiare, lui, il n'arrête pas de tomber à chaque fois, les trucs comme ça. Moi, les trucs comme ça, j'ai horreur. Ça, dans un parcours, j'y arrive jamais. Parce qu'en fait, je suis trop stressé, je sais pas comment prendre le truc. Alors tu sauras que quand je me suis transformé, je suis passé à travers les barreaux de la prison, je suis rentré dans la prison. Non. Tu comprendras quand tu seras. Avec la vitesse. Ah bah écoute, moi je suis en pleine. Non. Non. Pourquoi là ça ne joue pas ici? T'es Ok, où? je vais galérer. Je suis avec la ZR et je suis, tu sais, au truc là. Tu montes de. Tu dois bien tourner et tout. Ok, c'est bon, j'ai la technique. J'ai la technique. Lui, il a la technique. Pourtant, les trucs là, je sais pas pourquoi. C'est que. À chaque fois, je dis j'y arrive pas, mais en fait, c'est simple. Faut juste, tu vois, juste bien, tu vois, bien faire le truc. Et en fait, c'est simple. Et moi, je tombe bêtement parce que je me précipite trop. Allez, le dernier. Voilà. Et voilà, les gars, ça passe nickel. Ça passe comme dans du beurre, comme quand du beurre et du beurre et du candy beurre. Ah ouais, c'est. Je pense que c'est parce que tu confonds vitesse et précipitation. Tu penses? Ouais. Faut que tu fasses l'un des deux, quoi. Je pense à la vitesse. Non, tu confonds vitesse et précipitation. Ouais, mais donc, du coup. Faut que tu te concentres sur l'un des deux, quoi. Bah, du coup, sur la vitesse alors. Enfin, sur les deux en fait, non? Du coup. Parce que c'est les deux sont liés quand même. Il faut que tu te concentres, ouais. Bah, je suis concentré comme une concentrée de tomate, mais le problème c'est que. Non, Ah. mais sur l'un des deux. Bah, écoute, je vais me concentrer sur le. Sur la précipitation, voilà, je vais me précipiter. Ça c'est magnifique ça. Il y a des labyrinthes sur des toits. Alors par contre. Ah ok. Ah d'accord, je vois de quoi tu parles. Waouh. Ah ouais. Effectivement, je viens de faire un vol plané la salle avec. Je suis en train de planer, c'est what is this shit? Ah, tu planes. Tel un planeur ou tel une vive Oh! gazelle. T'es où là? Mais dis pas que c'est toi qui es en train de planer là. Si. Alors, par contre, ça j'aime bien. Pour ceux qui ont reconnu ici, petite référence à la course de Rockstar qu'on a tous saigné quand on a commencé GTA V. Bon, je pense que tout le monde connaît cette course, hein. C'est la course où on mettait 99 tours et on l'a saigné à 4-5. Et après on était riche là ça. Ça dépend, hein. Alors attention, je rentre dans la banque. Faut aller où là? Ah, faut faire tout le tour là, tu vas me dire? Dans la prison, la salle? Ouais. Par contre, ce véhicule là, vraiment, vraiment, c'est le pire véhicule de GTA V, celui-là. C'est l'un des Le pires. plus pire, waouh, le plus pire, Non, j'ai dit le waouh, pire. Pas dit waouh. Non, au début t'as dit le plus pire. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Il a le bien dit le plus pire. Le plus pire. N'importe quoi, la salle, tout de suite. Le plus pire. Le plus pire. Bah, attends. Ah. Faut pas faire le tour la salle, qu'est-ce que tu racontes? En fait, faut rentrer là. Bon, moi je connais la prison, donc c'est pas par là qu'on peut rentrer. Ni par là, c'est par là, je crois. On peut rentrer par là. Mais est-ce que la voiture elle va passer? Ah bah j'ai bloqué ma voiture. Ok, j'ai bloqué ma Ah, c'est un voiture. labyrinthe au-dessus, hein. J'ai bloqué ma voiture.
Bah attends, mais est-ce que du coup... Ah d'accord, tout simplement. Oh le con. Tout simplement. J'ai fait le tour pour rien. Ouais. Là ça, tu me fais faire des trucs bizarres. Hein. Ah non, c'est toi. Tu me dis faut faire le tour, faut faire le tour, alors faut pas faire le tour. C'est Mais c'est toi qui m'as dit ça, c'est pas moi. ouf. Quoi? Je t'ai demandé. Wow, attends, attends. Tu m'as dit faut faire le tour. J'ai dit oui. Bah non. Fallait juste aller à droite en fait. Mais je savais pas de quoi tu parlais vu que c'est toi qui rentres. Quoi? Moi j'en. Bah J'ai déjà pas je rentre tôt, compris. j'aurais pas fait ça. Ok. T'inquiète, la salle, on est là. Allez. Allez. Waouh. Ah ouais. Ah par Petit contre fais piège. gaffe à pas Premier petit finir. piège. Premier petit piège anonyme de la course. Pas mal. Franchement, pas mal. J'ai été piégé, voilà, je le dis, je l'avoue. Là, il m'a piégé. Je m'y attendais pas. Eh ben écoute, ok je vois le point. Je suis en train de planer en En moto-troll. BMX. En BMX, mais dis pas qu'il va avoir un BMX. Si. Quand tu seras au BMX, tu seras là où je viens de passer. Wouhou, j'ai le point. Heureusement quand même qu'on s'entraîne à planer la salle, hein, parce que des fois quand je vois des gars planer, je me dis waouh. Je Tu me dis waouh. dis Gibraltar quoi. Pour l'instant, le parcours est vraiment magnifique, y a rien à dire. Je kiffe, je surkiffe même. Et bah vive le troll et puis surtout j'ai perdu beaucoup de temps dans des trucs inutiles. Ok. T'es vers où là? Bah, j'ai passé le BMX il y a 30 secondes. Ok. Donc apparemment on va être en BMX. Alors moi je suis encore en Emirus. Ah ouais. Ok, on est à 40 sur 67 les gars. Donc là on est actuellement ouais, 40, 40 sur 67. Donc on a bientôt fini je pense, on a bientôt fini la salle. 40 sur 60. Ah ouais, tout à fait, c'est vrai. Alors fais gaffe à pas finir parce que le dernier la salle t'avais fini avant Non, t'inquiète. moi. Ah ouais, pas mal. D'accord en fait, là je viens de comprendre la miniature, magnifique. Donc là du coup on est au lac de Trevor. Trevor. C'est vrai que le lac de Trevor aussi c'est un bel endroit. Mais est-ce que tu savais que le lac de Trevor, la salle, parce que comme tu sais, tu vois, j'ai je suis en train de travailler sur un projet et tout. Et du coup le lac de Trevor, la salle, est-ce que tu savais que le lac de Trevor, il était même pas là où, enfin tu vois comme, même pas à côté de Los Angeles. Même pas à côté de Los Angeles, Ouais. ouais. En gros il est pas, tu vois Los Angeles, genre. Tu vois, quand tu regardes la map et tout, tu dis que quand même tout est à côté, tu vois, genre on a 11 km et tout. Bah le lac, il est vraiment au loin. Et le village de Trevor, pareil. En fait, c'est pas, Bah tu vois oui. comment dire. Bon, par contre, ici, je sais pas comment t'as fait, mais what is this? Et du coup, les deux ne sont pas côte à côte, quoi. Alors qu'en vérité, on croirait que c'est côte à côte. Mais non. Allez, allez. Allez. Et bah voilà, c'est tout. Fallait juste bien se mettre. Fallait accidenter. Wow, c'est magnifique ici. Par contre, ouais, il aime bien nous mettre la. Ok, c'est bon, je suis encore en jet ski. Oh la vache, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tu vas me dire que depuis tout à l'heure, t'as toujours pas eu le BMX. Bah non. Mais y a pas de BMX, tu mens. Je suis Ouais. sûr qu'il n'y a pas de BMX. Ouais. T'as un mytho, je te jure. Déjà, genre. BMX, non, tu peux pas. Tu peux pas me mettre de BMX. Certes, là, je suis en voiture, tu vois. Ah ouais, mais t'es pas du tout où je suis en What? fait. Ok, il fallait freiner. Ah ouais, mais t'es pas du tout où je suis. Moi, je suis au bout de la map. Toi, t'as déjà traversé la map, t'es en train de me dire. Ben oui, je suis tout au fond, Moi moi. je suis au lac, je suis C'est à. pour... Ah, c'est pour ça que t'as pas vu de BMX encore. Te fous pas de moi. Je vais traverser la map avec le temps que je peux. Avec mon temps, la salle. Mais par contre, effectivement, là je suis dans le lac de Trevor. Et attends, parce que faut pas trop aller vite, ni aller trop, tu vois. C'est.
Parce que regardez ici. Ici, vous avez ce petit tournant. Et si tu vas vite, c'est impossible de tourner sans tomber. Ok. Ok, du coup, je vois un point de transformation, la salle. Et donc? Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de BMX. Hein. Je sais pas de quoi tu me parles, mais... Bah, c'est toi qui dis qu'il y a un BMX. Ok. On va prendre le blanc, il est voit, il est violent. Oula. D'accord, j'ai trop reculé. En fait, t'es loin, quoi. Tu vas finir, quoi. Franchement, ça dépend. C'est-à-dire? Bah, ça dépend. Tu veux que je finisse ou pas? Ah, non. Hein? Bah, non. Ok. Écoute, moi, je suis dans le... Si tu veux savoir, je suis encore au lac. C'est vrai que le parcours au lac, il est énorme. Non, parce que comme des fois, tu me dis, vas-y, finis, abrège mes souffrances. Je me dis, bon, peut-être que... Oh, non, t'inquiète. Là, je souffre pas. Là, je prends plaisir, tu vois. Je découvre la map. C'est la magnifique map de GTA V. Hop. Voilà. T'es allé au-dessus du Mont Chiliad avec le BMX, tout ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches, tu me mytho depuis tout à l'heure, y'a aucun BMX. Donc t'as Anto. Bah non. Comment tu sais qu'il n'y a pas de BMX? Bah parce que ça se voit. Ouais, bah oui, ça, bah oui. On sait quel véhicule on va rencontrer, bien évidemment. Bah, non, mais déjà, genre Anto, je serais déjà beaucoup plus loin, parce que regarde, dans le truc là, dans la prison. Attends, déjà, où est-ce qu'il est? Ouais, dans la prison, je suis... J'ai fait le tour. Donc ça veut dire que j'ai pas Anto, tu vois. Je sais pas de quel tour tu parles, en fait. Bah, tu vois, quand t'es... Alors, par contre, où est-ce qu'il est le point? Ok, c'est bon. Bon, j'ai regardé. Ok, du coup, j'arrive bientôt à la fin de la map. Je suis très loin. Au sommet du Mont Chiliad. Bah, je suis au Mont Chiliad, là, ça. Je viens de passer le Mont Chiliad. Enfin, je suis à côté du Mont Chiliad. Je suis en bas du Mont Chiliad. Et ouais, du coup, tu vois, quand tu fais le tour de la map, quand t'es dans la prison, mm-hmm. Tu peux aller tout droit, et tout droit, t'as un petit, une petite rampe blanche qui te permet d'aller sur les toits de la prison. Mm-hmm. Et bah, moi, j'ai fait le tour comme un gogol. Ah, t'as fait le tour. C'est ce que je veux dire, donc du coup, en fait... Moi aussi, j'ai fait le tour. Chercher le truc pour planer, en fait, au début, puis après, j'ai respawn, je l'ai vu. Bah voilà, bah moi, j'ai fait le tour, et j'ai respawn, et pareil, je l'ai vu. Ok. Par contre, ici, what is this, hein? C'est bon, je suis passé, la salle, je suis passé. Je vois que t'as fait des dégâts ici. C'est probable. Wow. Je suis en train de faire des trucs. Ah ouais, t'as cassé tous les bancs. Ok. Du coup, je t'attends. Effectivement, c'est pas mal si tu m'attends. Parce que t'es vers où, toi, exactement, là? Devant, exactement devant le point d'arrivée. Alors attends. Ok. Je suis dans un... Je suis dans l'espace. Ok. Non. Je suis tombé au dernier, la salle. Ah, au dernier, quoi? Faut recommencer d'où? Allez, this. Bah, les ballons, en fait, le problème, c'est qu'on voit pas. Ok, lui, c'est bon. On voit pas comment, tu vois. Ok, lui, c'est bon. Le dernier, il est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il est pas droit. Donc je vais aller un petit peu vers la gauche, légèrement. Voilà, tu vois, il suffit juste d'aller un petit peu vers la gauche et c'est bon, ça passe, nickel, comme dans du beurre. T'es en quoi, là, à la fin? C'est qui, ça me dit pas qu'il y a quelqu'un en dessous de moi. Bonsoir. Bonsoir. Me dis pas que c'est la fin, c'est ça, quoi. Bah, j'ai refait tout le parcours en arrière, quoi. Ah ouais, pas mal. Donc, si je te laisse passer au-dessus, si tu veux.
Vas-y. Allez. Comment se laisser passer? Attends, je crois que je me suis bloqué. La salle me met un petit coup. Ah bah. Bah bouge pas, bah attends. C'est bon. Ok. Donc voilà, si jamais vous êtes avec votre pote et vous croisez sur des petits chemins comme ça, faites appel à nos services, faites appel à nos tutos. Vas-y, bah tu sais quoi, je te mets au défi de me suivre. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Tu me suis? Ok, je suis en train de monter. Ah ouais, t'es un forceur, toi. Ça se voit que t'as le point, toi. Bah t'as dit je suis moi, je te suis hein. Ok, j'ai eu le point. Bonsoir. Bonsoir. J'en profite pour faire une petite mini ici. Regarde le demi-tour. Ouh! Ah ouais, carrément quoi. Tu veux que je te fasse du mal là, ça dans... Moi, dans tes parcours, je te pousse jamais comme ça. Ah ouais. Allez, salut! Le gars, il est Comment là. ça, les saluts? Ah là Ah là! ouais, mais c'est vrai qu'il est en haut. T'es tombé? C'est moi qui décide si c'est salut ou pas. Bonsoir. Voilà, je te laisse passer, je te laisse passer. Voilà, je maintiens le frein à main. Ah mais je peux pas là, c'est trop fin. Passe Bah toi. pousse, pousse, pousse. Ouah, je peux pas, je suis trop penché. Ouah, par contre, ta voiture elle est belle, hein. Mais du coup, moi je crois qu'elle est pas custom la mienne. Vas-y, vas-y, pousse un peu. C'est bon. Et ça, la salle. Eh ouais. Bah alors. Je faisais la vie. Hein. Ok, du coup, je vois que Monsieur Lassalle a fini. Imagine, je suis non classé. T'imagines, je suis non classé, Lassalle. Impossible. Impossible. Et nous avons fini ce magnifique parcours. Merci à Romanacio pour ce parcours qui est enfin, incroyablement magnifique. Et moi, je vous dis au bye, au bye, au bye, au bye, au bye.